Salut à tous, c'est Unmin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi je suis pas trop présent, on va dire, dans les dernières vidéos que ce soit moi avec la team ou de la salle ou Eden. C'est juste en fait que je suis malade en ce moment, donc du coup on va dire que je vais pas vous mentir, bah, pour ceux qui me suivent sur Snap ou sur Insta ou sur Twitter, bah, vous savez, on va dire que je passe mes journées à dormir, quoi. Donc en fait j'ai mal au ventre et tout, donc du coup je passe mes journées à dormir. En fait, c'est que je vous explique. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale là-dessus ou sur la maladie que j'ai. Mais en fait, je suis allé chez le médecin parce que je me sentais pas trop bien. En fait, j'avais mal au ventre, j'avais mal la tête et tout. Enfin, c'était un peu bizarre. En fait, à chaque fois que je mangeais un truc, en gros, j'ai directement mal au ventre. Enfin, je sais pas comment vous dire. En gros, par exemple, vous. Je sais pas, il est midi, hop, midi, vous mangez une merguez. Vous mangez votre merguez, elle va y digérer, tout ça, tranquille. Alors que moi, non. Je mange ma merguez. Je sais que c'est un exemple chelou. Mais, elle va avoir du mal, quoi. Et du coup, en fait, voilà, j'ai un peu du mal là-dessus. Et du coup, là, chez le médecin, bah, il m'a annoncé que j'avais une petite maladie, en fait, qui dure une semaine. Il m'a dit entre 3 et 1 semaine, généralement ça devrait guérir. J'ai attrapé un petit virus. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis pas là dans les vidéos. Mais normalement, je devrais reprendre demain. C'est juste que là, aujourd'hui, c'était un peu. Parce qu'en fait, il y a les premiers jours, c'est un peu catastrophique. Mais après, au fur et à mesure des jours, le virus, il s'élimine, quoi, petit à petit. Voilà. Du coup, voilou. Et donc aussi, j'ai. En allant chez le médecin, donc il m'a pesé et tout, il a pris ma taille, etc. Et donc je suis atteint aussi d'une autre maladie, on va dire. Enfin, c'est pas une. Enfin, on va dire, comment dire? On va dire que vous étiez déjà au courant parce que j'avais déjà fait une vidéo spéciale là-dessus. Mais je referai une autre vidéo où j'expliquerai un peu tout le tralala, un peu tout ça, un peu le pourquoi du comment. Et on va dire que je suis officiellement quelque chose. Moi, bon, je peux pas vous dire parce que, comme je dis, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais voilà, je pense que vous en doutez par rapport à mon poids. Voilà, c'est pas. On va dire, je suis pas Mike Tyson, quoi. On va dire, je suis pas musclé. Je suis pas le mec le plus musclé non plus, le plus gros ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas trop long en ce moment dans les vidéos. Mais vous inquiétez pas, je vais être de retour normalement. À partir de demain, du coup, vous voyez cette vidéo, moi je la tourne, c'est mardi. Vous la voyez mercredi, du coup, à partir de jeudi, normalement, je devrais être là. Voilà. Je devrais être là. Après, ça dépend comment je suis mercredi et tout, parce que comme je dis, en fait, à chaque fois que je mange un truc, ça me met mal. Et du coup, je dors pour essayer de faire passer le truc. En fait, mais dès que je me réveille, ça repart. Ça repart. Mais de toute façon, vous avez vu sur Insta, j'ai mis quelques photos de moi dans mon lit en PLS. Hier et avant-hier aussi, hein, parce que j'avais mis hier, enfin avant-hier, hier, et je pense, je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'étais malade, donc c'était pour ça. Si jamais vous inquiétez quoi, bah, vous inquiétez pas, c'est pas non plus trop grave, enfin, du moins j'espère, parce qu'en fait, comme j'ai pas dit, bon, c'est vrai que j'ai du mal à parler, parce que comme je dis, je suis malade, je suis un peu stressé et tout ça. Mais en fait, quand j'étais chez médecin, il m'a dit que j'avais autre chose en plus de ça. Et du coup, j'ai fait des prises de sang que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, j'attends les résultats pour. Enfin, ils attendent les résultats pour voir si je vais suivre un traitement par rapport à la maladie. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus spéciale. Et voili voilou. Ouh, il y a une mine. Bonsoir. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, je vous laisse avec un petit best-of parce que je sais que vous aimez ça. Je sais que vous kiffez ça. Et je sais que le best-of que je vous ai fait lundi vous avez pas mal plu. Et d'ailleurs, j'en profite pour lâcher un petit message. Si jamais il y a des monteurs de vidéos qui se connaissent bien en montage et qui font quand même un minimum de bon montage, je parle. Qui savent gérer le logiciel, qu'on va dire. N'hésitez pas à me contacter sur mon email. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec le best-of de la team. Bye Ah! bye.
Salut à tous, c'est la salle. Ce vol est un vol fake, bien évidemment, nous ne volons pas puisque c'est Rasmo. Avion. Non, pas le joystick lâche, le joystick lâche. Je parle à mon doigt, les gars. Ah ah oui, je sais, je sais. Nini, oh, je rec parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à faire cette technique depuis qu'on fait du BMX. Donc j'enregistre la scène. Il a réussi, il a réussi. Oh my oh god. Oh my god. Slalom. La salle dit what the fuck. What the fuck? Et tu savais que le what ça vient de là? Hein? Hein? Le what? Le what the fuck? Bah ça vient des phoques en fait. D'accord. Qui s'en fout, levez la main dans les commentaires. Non, c'était une blague. Ah ça c'était une blague. Ok. On fait, wow, fait exactement pareil, regarde. La même chose. La synchronisation est incroyable. Ok. What, wow. Ça veut dire, on a fait la même chose, regarde. C'est le condom, je vous annonce que la salle, nous sommes arrivés à destination. Nous sommes arrivés à destination. Vous ajoutez l'huile rejoint, l'huile rejoint. C'est le genre de ce vol, en fait. Rejoint. Tu as dit une vidéo tout le temps comme ça, genre. Tu dis quel fusil à pompe j'ai tiré ou pas, du coup? Non, je pense que bon, le seul fusil avec lequel tu sais tirer, toi, il se trouve dans ton pantalon. Du coup, je pense que voilà. On va s'en passer. Enfin, et encore, j'ai dit tu sais tirer. Non, avec lequel tu tires, après ce que tu sais tirer, on... T'es même pas sûr, ça. Je tire à gauche. Il tire à gauche. Est-ce que tu vas dire un jour pourquoi tu tires à gauche ou pas? Edel. Oui, c'est bon. Salut à tous, c'est Edel aujourd'hui pour le vidéo. Salut à tous, c'est la salle, bienvenue à bord de ce vol. À bord de ce vol, vous trouverez sur votre gauche. Aujourd'hui, nous allons sucer des grosses menteuses. Là, vous pouvez déposer votre argent en toute tranquillité, vous ne risquez rien. Et sur votre gauche, bien évidemment, vous retrouverez les îles crocodiles. Là où il y a des crocodiles. Ou tu le diras jamais. Pourquoi? On n'a pas entendu. Ah, c'est bon. On n'a pas. On m'a dit que c'était pas Edard, mais c'était le capitaine Crochet. Parce que tu as le quoi? C'est un porte-manteau. Il a. T'as quoi le? Ah bon, on est parti trop loin. Ah, j'ai quoi, j'ai. Le quelque chose de tordu, quoi. C'est ça? La témoin, elle est tordue. Voilà. Donc, Nuin, en fait, quand il. Par exemple, quand il va aux toilettes. Il doit se mettre de profil pour pouvoir. Allez, abuse pas. Il doit se mettre de profil. Pour faire pipi correctement, il se met de profil. Voilà, faut le dire. À un moment donné, faut c'est dire. C'est d'ailleurs le seul à avoir inventé le dab de avec ça. C'est le seul qui arrive à faire un dab avec. Il dab avec ma merguez. Oh shit. Mais il a osé, il l'a dit quand même. Attention, Godzilla passe trop présent. Godzilla, viens de passer. Bienvenue à bord de ce vol, je vous conseille d'attacher votre ceinture. Nous allons traverser l'île de Bruel.
Donc tout le monde Nous passons au-dessus de l'île Bruel. Écoutez, écoutez, vous entendez les petits bruits. Il y aura aussi le commandant d'abord Mohamed, le vol en direction de... Ce sont les oiseaux qui chantent à Ken Bruel. Si, vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité. Nous, nous allons pouvoir décoller à destination de Bruel, Gamer et Tomerdao, et de Brassi, bien sûr. Et nous allons vous le dire, alors. Oh, la égoïste, C'est un peu, il était sous la douche, il y avait Eden qui était à côté de moi. Non, 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 j'étais pas à côté de toi. Il me dit quoi? Il me dit, mais en fait, t'as vraiment la... Non, mais c'est pas... J'étais pas à côté de lui. Mais moi... Moi, j'ai vraiment, j'ai une question par rapport à ça, mais vraiment, hein. Je te la pose en vidéo, je m'en fous, mais parce que j'allais même te la poser même hors vidéo. Du coup, tes copines, elles te disent quoi? Oh, une banane. Il y a plus de plaisir, elles disent. Il y a combien de filles qui ont déjà vu ton truc? Je sais pas. À peu près, oh là là. Oh, beaucoup. Oui, mais donne-nous un chiffre. Un nombre, plutôt. Comment je pourrais dire ça reste confidentiel, après, mais... Wow. Oh, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal. Il veut même pas te donner... ça se compte en dizaines. En dizaines, genre 40. 40 ou pas? Non... Je sais pas, franchement, je sais pas, je vois... Ouais, je dirais... Ça se passe pas en ça. Ouais, à peu près. 40, à peu près 40 Ouais. Non mais attends, on a une question. Les doigts, quoi, il veut dire. Alors, sur les 40, est-ce que tu peux nous dire les réactions à chaque fois? Quand elles voient, en fait. Déjà, elles disent... Ouh, petit, mais... Puissance. 12 chevaux. ouais. Bon, c'est bon, on stoppe sur cette... On va stopper cette discussion, parce que... parce non, que... ouais, donc, du coup, le nouveau DLC qui sort bien... Je me rappelle un jour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouh, petit Ferrari. Tu vois? Elle m'a dit, t'as une Ferrari. Non, mais c'est pas ça, quand elle voit que c'est tordu, qu'est-ce qu'elles disent? Wow. Qu'est-ce qu'elles disent? Bon, rien. Ok, toi, cosplay Capitaine Crochet. Peter Pan. Eh, c'est vrai que toi... Eh, mais attends, je viens d'y penser un truc. En fait, Unwin... C'est Peter Pan et Capitaine Crochet réunis en une seule personne. C'est quoi Peter Pan? Tu connais pas le syndrome de Peter Pan? Ouah! Ouah! Il sort de l'eau! Il sort de l'eau! Ah ouais, c'est quoi le délire là? Ouh! Okay. Ah, il m'enlève. Ouah, il a failli me tuer. D'accord. Ouais. Ok, il a failli me tuer. Eh ben, il m'a tué. Eh ben, il t'a tué. Ne dis pas que t'as des gom-gom. Il m'a tué. Et moi, c'est plus... Moi, c'est bien. Allez, bah... Salut à tous, C'est quoi des couscous? Aujourd'hui, on fait des courses boost. On parle pour la salle. S'il te plaît. Mon gamin! Eden Maraboute-le! C'est ça que t'appelles Marabouter? Viens ici! Il a peur parce que je le rattrape aussi. C'est-à-dire, je suis mal s'il passe, les gars. Oh. Mais il te rattrape, comment ça se fait? Je sais pas pourquoi. Allez. Non, je suis dans les airs, je peux rien faire. Non.
je suis dans les airs, la salle, viens ici. T'as pas le droit. Oui. T'es parti devant pour rire. T'as la honte, mais pour quand c'est ce qui va. C'est ma manette. J'ai quand même une question à te poser. Ouais. Donc ma question est... Ouais. C'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.